Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astrénome. On se retrouve pour suivre Camilla qui chargeait Bayonnette au clair pour aller voir ce qu'il y avait à looter. Très important, très important. Allez go. Est-ce que lui il nous dit un truc? Parce qu'il est bleu, ça change. Bon, visiblement, rien de plus. Il a sa petite abbaye là, il est content avec. Donc ce mec moitié mort. Peut-être que c'est juste un déclencheur, genre c'était le chemin qu'on était censé prendre et on nous dit « Oh mon dieu, c'est terrible et faut faire le tour quoi. » Ok, on a récupéré de la vodka. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. Reviens là du coup. Et donc, avec vous, on va avancer et se placer pour la fin. On va quand même attendre parce que des fois que ça déclenche quelque chose, hein, on est pas né de la dernière pluie. Mais j'avoue qu'à 5, elles ont nettoyé la map. C'était magnifique. Là, il y a juste le petit problème stratégique où je me suis vraiment merdé. Là, j'avais mis ma mitrailleuse là, j'aurais dû clairement privilégier un angle ouvert dès le début. Petite erreur tactique de ma part. Mais à part ça, franchement, les embuscades, les grenades, très très bon boulot. Allez. Là, je crois qu'elle peut pas se déplacer. Si, elle peut se déplacer encore. Elle peut peut-être pas tirer. Ou avec une seule tourelle. Allez, c'est parti. Viens par là. Il n'y a plus de petits points blancs sur la map, hein, donc... Alors par contre, la mission de sauvetage semblait un échec cuisant. Je crois qu'il faut utiliser ce terme. Bah ouais. Ça sent un peu le pâté. Ah, il y a du loot là, excellent. On avait donc pas tout découvert. Du coup, on va jeter un œil à l'arrière du bâtiment, sait-on jamais. Rien d'autre, ok. Un petit peu de métal et un petit peu de carburant, bah on va clairement pas se gêner. On prend. La voiture est en position, bientôt. Vas-y, viens un peu plus au centre, là. Et toi, tu vas vérifier le dernier. Všetci jsou mrtví. Jedna z těch mrtvol držela klíč. Mali bychom se poobzerať a zjistit, co do nich. Ah, du coup, on sait. Už jdu. Allons-y. Ils sont tous morts. Alors, est-ce qu'on va trouver des plans ou un truc du style? Ouais, j'ai la main sur pause des fois qu'on tombe sur des ennemis après, même si la pause devra se faire automatiquement. Non, c'est de l'argent. Oh, intéressant. 1000 balles, je prends. Clairement, je prends. Bon, bah, franchement, à 5, une très belle mission. Hein. Rien à dire. Oula, elle ressemble pas à grand chose cette carriole là, il manque des morceaux. Elle a un volant, donc c'est une voiture et pas une carriole. Et ben on y va. Et c'est un excellent taf. Et du coup, on a le petit succès. La chevauchée des Walkyries termine une mission avec une escouade entièrement féminine. Et ben franchement, elles ont mérité leur médaille. Ah, clairement. Premier poste, là. Et... excellent résultat. 3000 pour trouver la caisse à la fin, plus les 1000 balles, franchement, très très bon. Ça c'est pareil, on aurait pu passer à côté hein, si j'avais pas mis un coup de jumelle. Alors bon, on a consommé de la munition, ça on s'y attendait. Mais on est quand même en positif, sauf... enfin on est à moins 4 pour les munitions mitrailleuses, donc c'est plutôt cool.
On récupère 350 de carburant, ça fait plaisir. On a cramé de la grenade, mais on en a de rab, ça me dérange pas. On peut y aller. Découragés par leur arrivée tardive à la Syrie, vos soldats regagnent lentement le train. Même s'ils ont contribué à réduire l'oppression des rouges dans la région, la vue d'un tel massacre n'est pas propice à célébrer leur victoire. C'est sûr. Tout d'un coup, un civil à la silhouette élancée vous rattrape. Il vous tend une note qui vous est adressée, ainsi qu'une sacoche bien remplie. Il disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Voici le contenu de la note. Veuillez m'excuser pour tout ce mystère, j'ai menti. Ce n'était pas d'une importance nationale, mais personnelle. Vous aviez peu de chances de réussir, mais je me devais d'essayer. Néanmoins, tout ceci aurait une influence sur ceux qui sont au pouvoir. Je ne tarirai pas d'éloge à votre égard. La signature révèle l'identité du mystérieux inconnu, l'agent Collins. La sacoche qui accompagne la note est remplie de pièces. Oh, 8000 balles, la vache! On n'a jamais été aussi riche, quoi. Waouh! Ça fait plaisir. Du coup, bah, on va attendre qu'ils rentrent. Hein. Je pense que niveau menace, on n'est pas aux pièces. Donc là, eux, ils rentrent. Ils vont se reposer. Ça me convient. Là, on va avoir des gens épuisés, par contre. Ouais, donc épuisés, il va falloir qu'ils récupèrent. Je crois que ça va jusqu'à 100%. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des épuisés. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 100%. Bon. On va faire avec. De toute façon, on va voir, elles vont devoir prendre un petit peu le lit. Alors, on va passer... Alors, on va faire les niveaux. On a du coup une promotion de sergent-major. Et en plus, niveau 3 en mitrailleur. Un de bonus de dextérité, un de bonus de physique. C'est excellent. Et du coup... concentration, charisme, intelligence... On va t'augmenter ta dextérité. Voilà. Donc elle, elle est passée niveau 3 d'éclaireur, ce qui lui donne dextérité et volonté. Parfait. Pardon. Et elle gagne 3, vaut 3 de grenadier, ce qui lui donne un bonus de physique et un bonus d'intelligence. Et ça, c'est cool. Très bon taf. Rentrez au train, vous avez le temps. Et voilà. Alors, du coup, wagon médical. Hop, 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 et hop. On verra si on a besoin de cramer de... des trucs pour rebooster l'endurance, mais je pense pas. Et du coup, bah, on va relancer le train. Juste rester ici pour cette soupe. Bah, du coup, on peut en refaire, hein. Une petite viande rôtie. Alors, est-ce qu'on peut pas découvrir d'autres trucs? De l'intelligence, de la volonté. On va débloquer la salade de crudité. 50 d'herbes. Pour pouvoir avoir un petit bonus de dextérité. C'est quand même pas dégueulasse. Et donc, prochaine étape. La ville en ruine ici. Et l'exploitation forestière en face. Ok. C'est parfait. On en est de nos recherches. Uniforme d'hiver. Bientôt on pourra faire des mines terrestres. Attends, t'es déjà guéri toi, mais t'étais la plus endommagée. Ah mais c'est vrai que t'es aussi celle qui a le moins de vie. 60 PV, ça ferait que ça fait pas lourd hein, avec le physique là. Ça ferait peut-être pas de mal de mettre un peu de physique à un moment. De toute façon pour le moment faut qu'elle se repose, donc la question se pose pas. Alors, lui, il devient un sergent-major. Ah oui, du coup, t'es médecin. On va monter ton physique. Vitesse de rechargement pour un mitrailleur, c'est pas dégueu. On va aller jusque là, et donc il faut qu'on prépare une escouade. Alors, eux, ils vont être reposés pour aller s'occuper du bois. Ça me fait pas peur. On a un niveau d'ingé, niveau 4 d'ingénieur pour lui. Parfait. Du coup, il faut qu'on fasse une escouade pour une petite fouille en règle. Donc là, c'est cambriolage. Il nous faut une fédulogie à Magdalena, mais on peut pas la prendre. Normalement, on a une autre fédulogie. Voilà, Emmanuel, c'est une fédulogie. Il dispense des soins, on va le récupérer. On va prendre toi, histoire que tu fasses un peu d'XP, même si t'es beurré as fuck.
Et du coup, le wagon médical, il nous faut un nouveau médecin. Et bah, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc, vu que c'est la journée, enfin, c'est la nuit plutôt, et que c'est la journée qui est vide, et bah, on va laisser ça comme ça pour le moment. Par contre, notre inventaire, c'est problématique. On a tellement de carburant et tellement de bouffe. Que bientôt notre train va être ras la gueule. Ça vaudrait presque le coup de continuer d'avancer, mais du bois et éviter de ramasser les trucs, c'est tendu quand même, je pense. Regardez si on peut pas faire le moindre truc pour améliorer ça. Déjà, on va envoyer l'escouade de pillage là et l'escouade forestière. C'est parti. Et ensuite, wagon d'infanterie numéro 3. Alors, est-ce qu'on a des améliorations en rapport avec la taille? Je pense pas. Le blindage, la résistance du wagon. On peut avoir un poil amélioré, hein, après cela dit. 25 de métal, on n'a pas tant de métal. Malin. Je pense que les seuls endroits où on peut avoir de la place en plus, c'était le wagon de stockage, mais on a tout fait. Et ici. Mais on l'a fait aussi. Donc on est plein. Alors l'inventaire du train, c'est 24 000. Un truc comme ça, ça prend 60. 3000 ici avec les munitions, 3500, 3600 avec celle-là, 830 avec celle-là. Ouais, on est pas mal couvert. Il faudrait qu'on consomme un peu de ressources, mais limite le carburant, on en a plein. Donc je pense que ce qu'on va faire du coup, c'est travailler sur nos poêles. Consommer un peu de métal et ça nous permettra de consommer du carburant éventuellement. On va les faire dans les wagons d'infanterie pour commencer. Et on va en garder un peu de métal quand même. On a bien les trucs à fond. Alors là, ça consomme quoi, ça? Du métal, on s'en fout. Ici, ça va consommer du métal aussi, très probablement. Celui-là, on pourrait là... Non, même pas. L'isolation, on l'a déjà faite. Donc le reste, ça consommerait du tissu. Mais tant qu'on a vraiment personne à mettre dedans, c'est abusé de le faire. Ici, un établi. On bouffe du métal. Le wagon médical, du métal. Du métal, la cuisine, du métal. Donc pour le moment, c'est du métal. Et il faut qu'on en garde un peu parce que je crois qu'il en faut pour ça, ouais. Donc si jamais on a un wagon à réparer, il faut qu'on le garde. Donc pour l'instant, on part comme ça. Allez, c'est parti. Amélioration du wagon terminée, parfait. C'est où? C'est là. Vous barrez, je veux pas d'événements à la con parce que vous êtes en train de travailler pour rien. Et ici, on a atteint le point d'intérêt. On fouille. Et ici, c'est pareil, amélioration terminée. Je pense que ce qu'on peut peut-être pouvoir faire, c'est au wagon médical, là, il y avait des recherches. Ça pouvait être intéressante. La vitesse d'utilisation de la compétence de soins. On a vu que c'était pas inutile, hein. Ça consomme de l'herbe. Et on va le faire. Alors par contre, il nous faut du médecin. Ça, ça peut être problématique. On va envoyer les cuistots. Voilà. Hop, et toi. Et du coup, à la cuisine, on va pouvoir remettre ce qu'on avait récupéré, notamment elle. Alors, on va la mettre la nuit. Vas-y. Travaille un peu, fais ta recherche. Ici, on coupe du bois. Nous avons trouvé abattu quelques arbres en bon état. Parfait, 104. Vous rentrez. Alors,
rang d'adjudant et cuisinier niveau 5 pour lui. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans sa vie? Ouvrier. Est-ce que tu pourrais devenir médecin éventuellement? Non, parce qu'il te manque 2 d'intelligence. Hein. Et 2 d'intelligence, c'est un petit peu short. En même temps, c'est un mitrailleur. Du coup, on a plus d'herbe. Ah oui, on a plus d'herbe de chez plus d'herbe, quoi. Alors maintenant, on a des sous, hein. On pourrait éventuellement en acheter. Ici, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une cave à charbon. Et c'est tout. Et bah, parfait. Ça va le coup de se déplacer. Recherche terminée. Ici. Donc là, on peut faire des mines terrestres maintenant, si on souhaite. Et ça coûte franchement pas cher. Donc go, faites-en une ou deux de plus. J'aimerais en avoir 4 de rab. Et on pourrait consommer du tissu pour ça. 300 de tissu, là, c'est un peu abusé quand même. Mais un objet de compétence en plus, ça peut être pas inutile. Ils vont arriver presque en même temps. Excellent. Et lui, il gagne un petit niveau. Alors du coup, toi, t'es cuisinier et médecin. Et sinon, t'es éclaireur. On va monter un peu ton physique, avoir un peu plus de PV et recharger plus vite. C'est pas si mal. Et du coup, on roule jusqu'à la ville. En avant. Ça passe plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir acheter des herbes là. Il y a une forêt aussi pour en récupérer. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, il sauvegarde. Je me suis dit, il y a un petit lag. J'ai raté un événement. Mais tout va bien. Petit train. J'aime beaucoup les graphismes. Franchement, je m'en lasse pas de regarder le train avancer. On voit même son truc. Qu'est-ce qui se passe? Un blocus? Ah non, même pas. Vous perdez l'équilibre lorsque le train s'arrête brutalement. Il n'y a pas d'impact. Le conducteur l'a sans doute arrêté avant la collision. Alors que vous courez vers la locomotive, vous croisez votre conseiller. Il a l'air confus et étonnamment agité. Les rouges construisent des barricades sur les voies. Nous les avons pris sur le fait, ils se sont enfuis. Je suis sûr que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Je trouve ça suspect, Major. Je pense savoir qui est leur cible. Monsieur Demidov et sa famille. Autrement, je ne vois pas pourquoi notre gouvernement provisoire nous demanderait d'escorter une famille inconnue. Vous réfléchissez aux paroles de Langer, tandis qu'il se redresse, serrant les dents. Je veillerai à ce que cette famille soit bien gardée, Major. Nous devons rassembler une escouade pour dégager la voie. Ah, d'accord, cette fois c'est un dégagage de voie combatif. Ok, bah on va se baser sur cette escouade-là, ça me paraît pas mal, on va peut-être mettre un peu plus de monde, c'est tout. Donc, 3 crânes, 8 personnes, c'est parti. On va prendre Joseph, qui a fait un taf d'enfer. On prend nos alcoolos, nos 3 alcoolos. Non, lui c'est un vengeur, c'est pas un alcoolo, faut que j'arrête. Joseph n'est pas alcoolo. Il nous faudrait, on a déjà 2 soins, grenadier. Il nous faudrait plutôt Yann pour mitrailler un peu. Un deuxième grenadier. 3, 4, 5, 6, 7. Un deuxième éclaireur, ce serait mieux. On a Dominique. Qui conduit le train, zut. On a Pavel qui peut avantageusement prendre ce rôle. Alors, niveau des armes, toi tu prends le rang 2, clairement. Parabellum, un fusil type 38, fusil rang 2, mitrailleuse rang 2, et toi du coup, bah, tu vas garder le fusil de précision. Niveau des compes, toi t'as rien d'autre. Ici on a le camouflage au tir critique, la diversion, ça me va plutôt bien. La rafale contrôlée, le contrôle du recul, excellent. Donc là il devrait avoir une très belle chance de toucher notre ami Yann, là il a combien de physique? 7 en plus. Oui ça va très bien se passer, je suis vraiment pas inquiet. On envoie cela, c'est parti. Donc là, c'est un blocus de gens énervés. On les a pris sur le fait du blocus. Il n'y a pas juste une petite grenade planquée dedans. Cette assiette-là de quart de bout de poisson.
Koleje vedou přímo tímto údolím. Takže Rudé napadlo připravit našemu vlaku léčku. Zjistíme jejich plány a překazíme je. Musíme odstranit všechny hrozby vůči kolejím a našemu vlaku. Ano. Très bonne idée. Dans le pauvre là, il commence à galérer quand même. Hein. Très très bien. Alors, bon, pour l'instant la carte est assez simple. Visiblement, on n'est pas les seuls à avoir subi leurs attentions. On va acheter le petit coup de jumelle habituel dans les pentes là. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Rien. Le tissu, très bien. Un chien, il est certainement pas seul. Non, même pas, c'est des loups, donc ok, effectivement, ils sont seuls. Genre, les rouges se sont fait tuer par des loups. L'embuscade déjouée par des loups, quoi. Ça serait quand même ballot. Du coup, pour avoir une estimation, ils voient jusqu'ici, ok. Donc, on peut arriver par en haut. Tranquillou. Sem na cestě. Ah, ils ont une plus grande portée autour d'eux que les chiens. On n'est pas obligé d'être en embuscade pour les gérer. Ano, pane. Pas à portée là. Désolé les gars, mais il faut qu'on avance et qu'on explore. Ok. Co to vykolejení asi způsobilo? Podíváme se, jestli je v tom vlaku něco užitečného. Způsobili to rudí. Nejspíš ti samí rudí, kteří jsou teď na cestě sem. Musíme si najít kryt. Ok, parfait, bah j'ai pris la bonne position. C'est parti. Ouh, il a une sacrée portée lui, ça c'est excellent. Co se děje? Já pravěru. Já pravěru. Nepřítel. Oh. Le petit coquinou. Non, oh, il y en a. Ah oh, putain, ils sont nombreux les enfoirés. Musíme předpokládat, že rudí číhají na každém kroku. Buďte ostražití. Neviděli jsme žádné místní. To není dobré. Nedaleko jsem viděl pilu. Pojďme se tam podívat. Putain, les mecs, leur trip, c'est d'attaquer les Syriens, quoi. Sérieux. Ils ont une dent contre les Syriens. Est-ce qu'on va chercher ça? C'est un peu agressif, mais c'est du loot. Donc on prend. Ok, on revient. Ça pourrait bien se passer. Alors, on va jumeler un peu pendant qu'il vérifie. Donc là, on peut pas passer, hein. C'est... Il y a une scierie, mais si on veut faire le tour, c'est par le pont qui est là-bas, semble-t-il. Mais le reste paraît clean. Cela dit, vu le concept de la map, ils peuvent arriver en courant de n'importe où. Donc on va pas se la jouer discret, on va rester prêt à courir, se mettre à l'abri, on va descendre. Ok, j'aimerais juste que vous vous cachiez là. Alors vous êtes bien nombreux, mais ça devrait passer si on range bien tout le monde. Toi, demi-tour. Jetons un œil d'un peu plus près. Alors ici, il y a un soldat de la Légion. Excellent. Est-ce qu'ils auraient... Oh, coucou vous. Est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'ils auraient... poser une embuscade qui aurait pris d'autres soldats de la Légion et on va peut-être pouvoir recruter un peu. Ça ferait plaisir.
Jdu na pozici. Zdravím, legionáři. Přišli jsme vám pomoct. Veďte nás, my vás budeme následovat. Dneska nemáme šťastný den. Jdete přímo do pasti, soudruzi. Vraťte se, dokud ještě můžete. Je jich tam spousta a chtějí vás zabít. Donc on a quatre copains. Poslouchám, pane. Et du coup, il va falloir qu'ils se grouillent et se mettent en position parce que ça va être la baston. Courez par là. Ils arrivent comme ça. Ouais. Ano. Vaše rozkazy, pane. Zaujímám pozici. Venez par là. Mm-hmm. Toi en position ici. Ano. Toi en position ici. Toi Madame en position Creed. Ici qui ne bouge pas. C'est de là qui ne bouge pas. Viens par là, toi. Vas-y, installe la mitrailleuse. Non, toi, t'es trop visible, là. Recule. Alors, tout le monde est en pas caché, hein. On est sûr. Oui, donc c'est bon, on va les défoncer. Ça, c'est propre. Putain, c'était quoi, ça? Oh! Le pont derrière nous qui saute, quoi. Připravenější už nebudu. Pane? Ah, le mec, quand ils font des pièges, ça déconne pas, hein. Ano. Ok, donc on est coincé de ce côté-là de la rive. Rozumím. Très très bien. Ano. Toi, j'étais parti pour démonter ta mitrailleuse. Vas-y, démonte ta mitrailleuse. Připraven. Qu'est-ce qu'ils ont comme équipement, les trucs de base, j'imagine. Poslouchám. Ouais, il y a le petit chargeur là, il y a une chocha. Připraven. Ok, ok, ok. On est nombreux. Et ils viennent Pane. Nous isoler sur cette rive. Tak se podíváme, co tam je. To by šlo. Mais visiblement, il n'y a personne quand même. Podívám se. Donc pas le choix, il faut qu'on avance par là. Rozkazy, pane. On va essayer de rester le plus collé possible au bord de meubles des fois qu'ils nous posent... des canons ou des mitrailleuses de l'autre côté. Cela dit, j'aime pas trop l'idée de ce truc là. Honnêtement, ça ne me plaît qu'à moitié. Le tout petit pont qu'on va devoir traverser à deux à l'heure en étant exposé comme des sacs. Toi, viens par là. Toi, viens par là. Ano. Tak se podíváme, co tam jasná qu'est-ce qu'on voit. Ano, là-bas, il y a un tronc. Très bien. Jasná věc. Et au-dessus... Pane, tak se podíváme, co tam rien, mais ça ressemble bien à un angle d'attaque, tout ça. Et niveau couverture, on a quelques rochers à droite à gauche, mais c'est pas ouf. Bon, je pense que l'objectif, ça va être de traverser ça le plus vite possible. Tu, na pozici. Je vois pas l'intérêt d'attendre. Ano, pane. Déployez-vous. Ok, c'est trop calme. On va partir du principe que probablement il va y avoir une attaque de là, et c'est ici qu'il y a le plus de trucs pour nous protéger. Non. Là, il y a une tour de guet à choper, mais on ne la chope par où? Par ici? Envoyez toi. Dým přece musí být jasné, že obrněný vlak, který ustojí dělostřeleckou salvu, se nedá vykolejit kládou. Nekazím to prekvapenie. Pojď tu kladu odstránit. Jsem zvedavý, jaké další učebnicové prekvapení asi červený vymysleli. Putain, non, c'est du loup. Ok, c'est du loup. Préparez-vous à les accueillir. On les allume. Désolé les gars, mais
pas le temps de faire dans le subtil là. On va plutôt envoyer lui du coup. Faire le petit tour là. Il y a un ennemi. Si tu mets tout là-bas, ça passe peut-être. C'est long. Ils font pas demi-tour, on est niqué. On peut se cacher ici. D'accord, donc l'embuscade elle est assez classique. Hein. On s'avance pour faire se gérer ce tronc et il y a masse de monde partout. Presque pu en envoyer deux pour s'occuper de ça. Cela étant dit, faudrait peut-être qu'on recule là parce que. On n'est pas caché avec eux. C'est pas avec les quêtes. Putain, ils sont en train de libérer la maison. On va tenter un truc, on va voir si on est capable de les enchaîner. Joli. J'ai pas l'impression que ça a déclenché les autres. Ça en fait deux de moins. Ok, donc là il y a un mec qui surveille cette zone. En vrai, il n'y a pas l'air d'avoir quiconque qui ziote l'arbre lui-même. Alors, à quoi ça ressemble en termes de zone de fight? On pourrait mettre quelques mecs ici, ça c'est la zone la plus large, mais malheureusement c'est que du couvert léger. Donc on va prendre toi, toi... Toi et toi, vous allez vous retrouver ici. Rozkazy, pane. Ano, pane. Les autres, ils vont aller se poser là, pour le moment. On va prendre, on a pas un avec une aura, il y a toi avec l'aura. Non, c'est la tête baissée, c'est pas une aura que t'as. Mais bon, quand même un soigneur, donc il va venir. Ah, il y en a un qui patrouille. Jusqu'où il va? C'est lequel? C'est celui qui était tout là-bas? Non. C'est un autre. Bon, visiblement ça va, il voit pas nos zones. Ok, très bien. Donc ça veut dire que toi, tu viens de poser là. On va mettre toi ici, toi ici, toi ici. Normalement là, on est bien. Ah non? Et toi, tu vas te mettre en soutien derrière, je sais pas où, ici, pour le moment, par exemple. Sors de ton embuscade, toi. Alors non, plutôt, restez caché, je veux pas que vous tiriez. On va se préparer à couvrir ce flanc-là. En cas de besoin. Voilà, donc ici, on est protégé. Maintenant. On a un autre mitrailleur là. On va le poser là. On va envoyer toi et notre sniper. Et eux, on va les envoyer en bas. Non, toi tu seras celui. Alors non, toi t'es le mec qu'on doit sauver, donc. C'est toi qui vas aller t'occuper du. Du tronc d'armes. Voir un peu ce qu'on déclenche. Toi, viens par là. Ah, ils nous ont vus là. Saloperie. Ouais, on a déclenché du monde en fait. Ils se sont levés. Alors, toi. Toi, t'es où? Ici. Bon, ils ont l'air de s'orienter vers le haut, et c'est un canon que je vois ou c'est une chariote? Non, c'est une chariote, c'est bon. Ok, là on va les allumer, c'est pas trop un problème. Alors là on est un petit peu pris de flanc par contre, c'est dommage, il va falloir qu'on progresse du coup. Ok, donc... Toi t'arrêtes.
Vous courez jusque là-bas. Et vous, alors on va envoyer, on va envoyer qui ? Le sniper. Cours jusque là. Et est-ce que là, on est capable peut-être de prendre une meilleure position ? Toi, démonte ça. Tu veux pas prendre cette position là, t'es en train de recharger, c'est pour ça. Parce que là t'es un petit peu exposé en fait, c'est ça qui m'emmerde. Voilà, là toi, prépare-toi, focus par ici. Ici du coup, on va s'en faire un gratos. Là on a pas masse d'endroits où venir, donc on va grimper par là, tant pis. Alors, tout le monde vient là. Ça suffira pour les prendre à revers. On va prendre fusilier sniper, les envoyer ici. Là on est bien dans leur dos, ça va les forcer à courir un peu, s'ils veulent bouger. Et donc il reste lui là-bas. On va pouvoir se faire simple et efficace. Voilà, merci, au revoir. Ça c'est fait. Bien joué les gars. On va se déployer. Trouver peut-être des meilleures positions. Alors ils peuvent pas arriver de par là parce que c'est de l'eau. Donc s'ils arrivent, ce sera fatalement de par là. Donc c'est parti. On se déploie par là. Vous aussi, venez donc vous mettre ici, on fera le tri après. Et il nous reste lui qui va toujours pouvoir s'occuper du petit arbre. Et il y a aussi lui là. Ah non. Viens donc toi. Ano, pane. Připraven. Zaujímám pozici. Bon, c'est pas idéal hein, comme position, donc on va se mettre mieux. Je veux vouloir un mitrailleur qui gère par là. Ano. L'autre mitrailleur qui va venir ici. Gérer cette arrivée-là plutôt. Et c'est pas si mal, toi tu pourras aller là, mais je suis pas bien sûr que tu auras un angle intéressant. Plutôt mettre un petit soigneur avec une arme de poing. T'as quoi toi? Main tremblante. Ok. Très bien. On est prêt. Alors non, on n'est pas prêt. Il y a toi qui fais n'importe quoi. Viens donc par là. Toi t'es caché, oui, parce que t'as un éclaireur, donc pas de soucis. Occupons-nous de ça en espérant qu'il n'y a pas une foutue grenade. Que ça arrive pas en masse d'un coup dans l'autre sens. Et on court. Et c'est tout. Vas-y, avance. Ok, on a débloqué une autre tour de guet. Toi, t'es pas censé te mettre un peu en position. Ah, t'es gêné par l'autre arbre, en fait. Ok. Non, t'as juste des grosses fesses. Ok. Nouvelle tour de guet par là. On peut monter par ici. Ça va être notre objectif, bien sûr. Démontons là. Et l'autre, il est là. Hop, on démonte. Mais on verra la suite de cette petite bataille lors du prochain épisode, parce que c'est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.